Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation Atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Quai 4. Départ à 8h15 de l'express de Birmingham. Arrêt à Rugby. Prêt, Fort William. Quai 4. Vous avez loué ? Oui. Votre billet, je vous prie. Vous ne l'avez pas ? Je viens de prendre mon service. Ah. Où allez-vous ? Je n'en sais rien. Vous ignorez où vous allez ? Oui. Ah. À quel nom, monsieur ? John Drake. John Drake, oui. Oui, John Drake. Hey, c'est moi. Où est-ce que je vais ? À Fort William, monsieur. 14D. Au milieu du couloir. Je vous remercie. Y a-t-il un certain monsieur Clément dans ce train ? Monsieur Clément, voyons. Non, monsieur. Ah, vous êtes sûr ? Ah, oui, monsieur. Le train se met en route. Ah oui, merci. Mais dites-moi, vers quelle heure le train arrive-t-il à Fort William ? À 9h du matin, monsieur Drake. Ah, bonjour, monsieur Clément. Vous allez bien ? Ce voyage s'est bien passé ? Non. Pourquoi m'avez-vous fait traverser l'Atlantique avec une telle précipitation ? Il s'agit d'une affaire intrigante et vraiment passionnante. Allez-y, je vous écoute passionnément. Eh bien, l'histoire se situe près d'Aberdeen, d'où un représentant en produits agricoles rayonne dans toutes les fermes des environs. Une histoire de commis voyageur, dites-moi quand je devrais rire. Oui, je vous le dirai. On lui a volé sa voiture il y a 2 jours. Et il a appelé Scotland Yard, qui s'est aussitôt mis sur le coup. Bien sûr. La voiture a été retrouvée et le voleur aussi. Et les empreintes digitales vérifiées. Vraiment, la police s'est surpassée. Oui, c'est mon avis. Mais nous avons également relevé, à l'intérieur de l'auto, de belles empreintes d'un homme qui est mort depuis près de 10 ans. Et cet homme s'appelait Hans Becher. Mais j'ai... Il me semble qu'on avait identifié le corps. Tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas ? Hans Becher, maître espion, tué dans un accident d'avion, vient de réapparaître au nord de l'Écosse. Ah, c'est curieux. Mais pourquoi m'avoir choisi, moi, plutôt qu'un autre, pour résoudre ce petit problème ? De ce dont je dispose, c'est vous le seul qui l'ayez connu. Je ne le connais pas. Comment j'ai surveillé cet homme, je l'ai observé pendant 2 semaines, à Berlin. Une fois bien certain que c'était Becher qui était dans le filet, je l'ai remonté. J'ignorais que vous l'aviez déjà pris. Hélas, non. Il n'était plus dans le filet. Il est bien trop malin. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le nord de l'Écosse ? Nous voudrions bien le savoir, monsieur Drake. Mais laissez-le tranquillement faire aussi longtemps que vous ne serez certain de rien. Il faut à tout prix éviter qu'il ne vous échappe une seconde fois. Bien sûr. Seulement, il a dû pas mal changer depuis. Autrement, il aurait été reconnu. Je me demande s'il a gardé sa barbe. Il la portait autrefois, si je ne le reconnaissais pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Et sur quoi serait-il, d'après vous ? Peut-être la base navale de Scapa Flow ou les aérodromes de Vic ou de Stornoway. Il y a aussi le long des côtes des quantités de bateaux de pêche qui croisent en dehors de nos eaux territoriales. Et qui transmettent sans aucun doute du courrier secret. Et c'est un point de départ. Eh bien, au revoir, monsieur Drake. À vous de jouer. Vous êtes attendu à Fort William par l'inspecteur Mackenzie. Amusez-vous bien. Oh, merci. Ainsi, vous êtes certain que Hans Becher n'a rien de commun avec le voleur de la voiture ? Certain, monsieur Drake. Celui qui a volé l'auto n'est qu'un gredin sans envergure. Il jure qu'il était seul et le plaignant le confirme. Le nommé Craig, l'avez-vous questionné au sujet des empreintes ? Non, monsieur Clément préfère que vous en preniez l'initiative. Ah, le voici. Vous allez l'interroger vous-même. Je préfère ne pas attirer l'attention sur moi. Bonjour, monsieur Craig. Comment allez-vous ? Bonjour, mon cher inspecteur. Bonjour, Duncan. Tu t'amuses bien ? Oui, beaucoup, monsieur Mackenzie. Monsieur Drake, monsieur Craig. Duncan Craig.
Enchanté, enchanté, cher monsieur. Monsieur Drake est un de mes amis américains. Il vient passer ici ses vacances. Il ne pouvait trouver meilleur endroit. Oui, en effet. Acceptez-vous un verre? Ah non, 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 je suis très pressé. Mes clients sont assez nombreux et j'ai pas mal d'affaires à régler. Non, mais asseyez-vous un moment. C'est au sujet de votre auto, monsieur Craig. Nous avons relevé quelques empreintes en dehors des vôtres. Essayez de vous rappeler si vous avez prêté votre voiture à quelqu'un. Je ne la prête jamais. Mais vous avez rattrapé le voleur, n'est-ce pas? Oui. Seulement, l'homme que nous avons arrêté ne reconnaît pas être le voleur. En se basant sur cette série d'empreintes non identifiées, il pourra se bâtir un système de défense. Mais je l'ai vu filer dans la voiture. Sans vous en souvenir, vous auriez pu prendre un passager. De nos jours, l'autostop passe de plus en plus dans les mœurs. Non. Mais si! Cet homme qui t'a demandé de descendre à secourir. Ah oui, c'est vrai, à présent, je m'en souviens. Il y a combien de temps? Il doit y avoir une semaine environ. Où l'avez-vous ramassé? À Castleton, il venait selon lui de manquer son train. Où s'est-il assis? Devant, à côté de moi, auprès de la portière. Est-ce qu'il a touché quelque chose dans la voiture? Il avait l'air fatigué. Il s'est appuyé sur le tableau de bord. Il était grand, petit? De taille moyenne. Brun ou blond? Il avait des cheveux gris. Monsieur Craig, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, moi, vous savez, je conduisais, alors il devait sûrement ressembler à tout le monde. Était-il fraîchement rasé? Oui. Hé, McBride! Y a-t-il autre chose? Non, pas pour l'instant. Bon, alors, excusez-moi et encore merci, inspecteur, et amusez-vous bien, Monsieur Drake. Au revoir, Monsieur Drake. Dites, McBride, c'est au sujet de cette commande d'engrais, vous savez. Où étaient les empreintes? Sur le tableau de bord. Nous savons où Betcher se trouvait il y a 8 jours. Et où il est encore. Comment ça? Scory est un petit village côtier, assez isolé du monde. Il doit y habiter. Jamais il ne s'y serait arrêté autrement. Et s'il avait rendez-vous avec un bateau sur une plage déserte? C'est possible. Clément croit qu'il se passe quelque chose de ce genre. Je vais donc baser mon enquête sur cette hypothèse. Mais il n'y a rien à Scory qui ait un intérêt stratégique. Il peut transmettre du courrier secret ou servir de relais. Oui, bien sûr. Je vais essayer de retrouver notre homme. Un village côtier assez retiré, en auto, je serai repéré. Ça ne doit pas attirer tellement les touristes. Vous pourriez me déposer sur la côte en bateau? Tout ce qu'il y a de facile. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir. Vous voulez savoir quoi? D'abord, qui est ce maniaque du fusil? Ah, celui-là. C'est Angus MacGregor. Pourquoi a-t-il tiré sur vous? Il n'a pas tiré sur moi. Si, il a tiré sur vous. Et puis après, c'est son affaire. Ah, je vois. Parce que vous braconniez. Je ne suis pas un braconnier. Et l'homme qui a tiré sur vous était un garde-chasse. Écoutez bien. Je n'ai pas mis le nez dehors de toute la soirée. Et vous êtes mal placé pour prétendre le contraire. Mal placé, et pour quelle raison? Parce que vous veniez du bord de la mer. Je les ai vus. Vous débarquez sur la côte. Pourquoi? C'est défendu, peut-être? C'est vos affaires. C'est pas les miennes. Tout comme les miennes ne vous regardent pas, monsieur. Vous en avez vu d'autres débarquer cette nuit? Je ne vous répondrai pas. Et pourquoi ça? J'ai pas envie, c'est tout. Le jeune Willy Fosse racontait ce qu'il voyait certaines nuits, et il en est mort. On l'a retrouvé au pied des falaises. Mort accidentelle, ont-ils dit. Mais accident ou pas, moi je tiens ma langue. Et je conseille aux autres d'en faire autant. Compris. Merci. L'un de ces hommes ici, dans ce bar,
Était-il Betcher? Parviendrai-je à l'identifier? Bonsoir. Je visite le pays à pied. Vous aimez la marche? Oui, je trouve ça intéressant et reposant. Ah oui, vous n'avez pas dû beaucoup marcher, alors. Bonsoir. On ferme, messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir, mademoiselle Jenny. Il y a là quelqu'un qui voudrait boire quelque chose. Oh, mais voyons, Yoke, vous savez bien qu'il est 10 heures. C'est pas pour moi, c'est pour monsieur. Bonsoir. Oh, bonsoir, mais je vais fermer, il est 10 heures et... Ah, c'est fermé? On n'a pas le droit de servir après 10 heures. Ah oui, je vois. Mais je viens de très loin. Bonsoir, Yoke. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que voulez-vous boire? Whisky. Oh, Yoke! Réservez-moi un homard pour demain. Tout ce que vous voudrez, mademoiselle Jenny. Seulement, on rentrera sûrement assez tard des Cotliers. Ça ne fait rien, je vous attendrai. Aucune ne correspondait aux empreintes que je cherchais. Et soudain, au même endroit, au fond des verres, l'empreinte d'un pouce, celui de Hans Betcher. Jenny! Bonsoir. Avez-vous une chambre pour la nuit? Le car part dans une minute ou deux. Il va à Castleton. Il y a de bons hôtels. Vous comptiez passer la nuit ici, monsieur? Non, il prendra le car pour Castleton. Avez-vous une chambre? Oh, c'est possible, oui. Il sera bien mieux à Castleton. Je vous avoue que je suis assez fatigué. J'aimerais mieux coucher ici. Vous devez avoir faim aussi, monsieur... Drake. Bon, je vais aller lui chercher quelque chose à manger. Puis-je vous offrir un verre? Une autre fois. Vous venez d'Amérique? Oui. Les Américains sont rares par ici. Vous n'êtes pas d'origine écossaise, monsieur Lane? Je suis danois. Je viens des îles Faroé, plus au nord. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Drake? Je suis, disons, en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire, disons, en vacances? Eh bien, je marche, je vais droit devant moi, au hasard, en prenant des notes de ce que je vois. Aller droit devant soi, au hasard. Vous avez de la chance. De quoi? De savoir écrire? Non. D'aller où ça vous plaît, librement, en étant votre maître. J'ai toujours rêvé de ça lorsque j'étais jeune. Si vous êtes votre maître, ça peut vous éviter bien des préjudices, enfin de faire des bêtises. J'ai fait votre chambre, monsieur Drake. Merci, je viens. Je redescends tout de suite. Excusez-moi. Faites attention à votre tête, monsieur Drake. Merci. Non, mais je serais très bien ici. N'est-ce pas? Je vais retaper un peu votre lit et ce sera parfait. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Drake? Eh bien, je me suis mis en route en direction du nord, le long des falaises. Vous êtes donc arrivé ici par hasard? Oui, si on peut dire, en effet. Ça a l'air aussi sauvage que les îles Faroé. Mon père est né dans les îles Faroé, mais moi, je n'y suis jamais allée. Avez-vous toujours vécu ici? Non, je suis née en Espagne. Ma mère était espagnole. Vraiment? Je vous aurais cru d'origine écossaise. Vous ressemblez à une espagnole comme moi, un zoulou. Mes parents sont venus en Écosse alors que j'étais encore un bébé. Votre père et vous vivez seuls ici? Oui, ma mère a été tuée au cours d'un bombardement à Glasgow. Eh bien, nous pouvons descendre, monsieur Drake. Le souper vous attend. Je vous suis. On a guère de distractions par ici, mais on s'en passe très bien, vous savez, quand on s'est en quelque sorte retiré du monde. Ah, mais vous avez la télévision. C'est pour elle que je l'ai achetée. Oui, mais père la regarde plus souvent que moi. Il adore les spectacles gays. Et les artistes qui font rire.
Certains comiques ont souvent plus de bon sens que ces dictateurs qui cherchent à refaire le monde. Père déteste la politique. À un tel point que pas un journal n'entre dans cette maison. Vraiment? Voici notre univers. La mer, le ciel, la lande. Je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. N'oublie pas de fermer. Bonne nuit, Monsieur Drake. Bonne nuit. L'image est bonne. Oui, excellente. Maintenant, Hans Becher, parlons un peu affaire. Becher, je m'appelle Lang. Vraiment? Qui êtes-vous? On m'a dit d'entrer en rapport avec vous. Qui ont? Ceux que vous savez. Ils ont dit que vous aviez des instructions pour moi. J'ignore de quoi vous parlez. Ils ont dit qu'aussitôt à terre, j'entrerai en contact avec Hans Becher. Le mot de passe est Ivor. Et je vous répète qu'il n'y a pas de Becher ici. Je vis seul avec vous ma fille. Vous êtes Becher. J'étais Becher. Vous m'avez enfin retrouvé. Et ça m'est égal, dans le fond. J'ai toujours su qu'un jour, ça finirait comme ça. Je n'ai jamais vraiment pensé que mes amis m'avaient vraiment cru mort. Mais ça ne fait rien, allez. Et qui que vous soyez, dites à ceux qui vous emploient qu'ils ne doivent plus compter sur moi. C'en est fini de toutes leurs combines. Alors, on est passé à l'ennemi. Je ne suis au service de personne, vous entendez? Et personne ici ne sait que je suis Becher. Je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai retrouvé la paix et j'y tiens, c'est tout. Après plus de 30 années, je réalise enfin que la haine, l'orgueil et le mensonge avaient seuls jusqu'ici rempli ma vie. J'ai voulu changer le monde. J'ai œuvré pour la glorieuse révolution. Le monde a connu 20 révolutions ces dernières 40 années et toutes n'ont laissé dans le cœur de nos fils que le goût du désespoir. Vous êtes bon comédien, très convaincant. Votre fille a d'ailleurs l'air d'y croire. Ma fille fait confiance à son père, Monsieur Drake. Mais moi, je ne vous fais pas confiance. Ce n'est pas une comédie, c'est la vérité, je le jure. Si vous ne croyez pas que je suis envoyé par Ivor, il y a un moyen de le contrôler. Je vous jure que je ne connais pas cet Ivor. Si nous ne travaillons pas pour la même cause, comment serais-je arrivé jusqu'à vous? Je répète que je ne travaille pour personne. Vous refusez de me donner les instructions. Je n'ai pas d'instructions à vous donner. Seulement un bon conseil. Pendant que vous êtes encore jeune, cessez de jouer ce jeu stupide et cruel. Faites ce que j'ai fait. Fuyez. C'est à ce prix seulement que vous retrouverez la paix. C'est bon. On a commis une erreur quelque part. Quelqu'un se posait des questions à mon sujet. Quelque part dans le village, un émetteur clandestin donnait l'alerte. À qui? Sans doute à l'un de ces innocents bateaux de pêche qui croisaient au large des eaux territoriales, comme l'avait supposé Clément. Je pense qu'en d'autres circonstances, je vous aurais tué. Mais je ne peux pas. J'ai trop vu de meurtres, et j'ai perdu la faculté de haïr qui rend le meurtre possible. Dites à ceux qui vous envoient que je n'ai pas peur d'eux. Que je ne travaillerai plus jamais, que Hans Becher est bien mort. Et sortez d'ici, maintenant. Mais voyons, père, qu'est-ce qu'il y a? Rien qui te concerne, mon enfant. Monsieur Drake repart, c'est tout. Pour l'amour du ciel, père, tu n'oseras pas le mettre dehors à cette heure-ci. Que t'a-t-il fait? Quelque chose que je ne pardonne pas. Alors calme-toi et va te coucher. Monsieur Drake s'en ira demain à la première heure. Je ne veux pas aller me coucher. Va dormir, je t'en prie. Avant que nous vous ayons contacté. Bonjour. Bonjour, j'ai monté votre petit déjeuner. Je crois que ça vaut mieux. Très aimable à vous. Avez-vous bien dormi? Très bien. Oh, j'ai trouvé ceci en descendant tout à l'heure. Vous êtes notre seul hôte, ce ne peut être que pour vous. Merci. Pourquoi cette querelle avec mon père hier soir? J'en suis désolé. Je suis désolée, moi aussi. Je vous attends sur la falaise de Glenbeg. Venez tout de suite, Ivor.
C'est au pied de cette falaise qu'on avait retrouvé le corps du jeune Willy Foss, le jeune Willy qui parlait trop. Bonjour, monsieur Drake. Que faites-vous sur les falaises? Que faites-vous ici vous-même, monsieur Craig? Ou dois-je dire Ivor? Ah, pas Ivor, non. Stewart, comme mon grand-père. Stewart Craig. Puis-je vous ramener au village? Voulez-vous que je mette son corps? Merci de m'avoir apporté mon déjeuner avant de m'envoyer à la mort, chère mademoiselle. L'aviez-vous offert aussi au jeune Willy Foss avant de le faire assassiner? Qu'est-ce que vous dites, Drake? Désolé, monsieur Lang. Je pense que vous avez réellement rompu avec vos anciens amis, mais votre fille a, comme on dit, pris la relève. Je ne vous crois pas. Non. Eh bien, montez donc dans sa chambre et vous y trouverez certainement un émetteur à ondes courtes. C'est vrai. Ils ont fini par retrouver ta trace et j'ai fait un marché avec eux. C'est pourquoi ils t'ont laissé en paix. Tu les as trahis. Je t'ai racheté.